Bonjour les amoureux des plantes. Alors voilà, j'ai fait ma petite cueillette du jour, la mauve Malva sylvestra, donc de la famille des Malvacées. Une petite fleur magnifique, hein, voilà, très facile à identifier, qu'on trouve à peu près partout en France, hein, sur les chemins, la grande mauve. Alors des mauves, il y en a pas mal de variétés différentes, mais elles sont toutes comestibles. Et plus que ça, c'est vraiment une plante fabuleuse au niveau des propriétés. C'est un expectorant naturel, on peut l'utiliser autant en tisane qu'en cataplasme. Alors je vais vous donner la recette de tisane. Mais avant ça, je vous demanderai simplement de mettre un petit pouce ou un petit commentaire à la vidéo pour encourager mon travail, de vous abonner si vous souhaitez suivre davantage de vidéos, voire même de partager si vous voulez aider ma chaîne à survivre. Voilà, donc pour cette fleur, pour fabriquer une tisane, vous pouvez la faire soit sèche, soit fraîche. Alors fraîche, on aura toujours plus de propriétés, mais on fera toujours attention à retirer les petits insectes, etc., bien la nettoyer. Hein. Pour 250 ml d'eau, vous allez mettre une belle poignée. Vous allez faire chauffer l'eau à 90 degrés et vous laissez une dizaine de minutes infuser. Une fois l'infusion terminée, vous filtrez et vous pouvez boire 3 tasses par jour, ça suffira. Et c'est vraiment un expectorant très 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 efficace et on peut l'utiliser même chez les enfants, il n'y a pas de contre-indication. Les feuilles, elles sont magnifiques, voilà. Elles sont pétiolées, hein, donc c'est vraiment une autant la feuille que la fleur sont superbes. On peut l'utiliser autant comme un légume que comme une plante médicinale. En cuisine, vous allez pouvoir la cuisiner telle quelle, vraiment comme un légume. Hein. Vous pouvez même mettre les feuilles autant cuites que crues, c'est-à-dire soit salade, soit poêlée de légumes. Vous allez vous régaler, elle est très douce, savoureuse, elle a une texture agréable en bouche. On a parlé du côté anti-inflammatoire aussi. Mais c'est aussi une plante qui n'est pas uniquement anti-inflammatoire et expectorante, elle est aussi anti-inflammatoire par exemple pour tout ce qui est cystite. Donc on va pouvoir effectuer des tisanes également en cas de cystite. Elle est aussi très riche en sels minéraux, en vitamine A, B1, B2, en vitamine C aussi. On y trouve du fer, du calcium et des protéines. C'est vraiment une plante merveilleuse. On peut faire avec des petites fleurs cristallisées, on peut la mettre en décoration dans nos plats. Voilà, elle est en abondance. Donc c'est vraiment une plante, on ne risque pas d'endommager normalement la population en en cueillant quelques branches. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir avec la mauve. À bientôt pour une autre vidéo.